Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos incroyables aventures sur Evil Within 2, l'aventure épique. Nous en sommes à l'épisode 16 me semble-t-il. N'oubliez pas un casque ou des écouteurs, de fermer les volets, éteindre les lumières bien évidemment, une petite collation pourquoi pas. On devait retrouver le deuxième tableau de Stefano qu'il avait mis dans un endroit où on n'a d'ailleurs jamais vraiment été. Donc c'est le moment je pense pour nous d'aller faire un tour et d'aller voir ce que cache ce deuxième tableau. Putain, j'ai eu tellement peur. Je peux passer? Impeccable, on peut passer. Donc on avait trouvé aussi une petite mère Teresa les gars, mais on se la garde. Waouh! Mais ça quand ça vient, ça fait tellement peur. Non mais réellement, toute cette peur que ça amène, c'est pas En plus on parle pas de petites racines hein les gars hein. Ok, là on va dans une zone où on n'a jamais été les gars. Ça va être terrible. Autant on avait pré-shot un petit peu avec les épisodes précédents et le farm qu'on avait fait dans l'épisode 13-14, autant là. Attention, hein. Je suis un peu le gars qui casse. Ok, bougez pas. Bougez pas parce que ici on a quelque chose. Ah, pochette. Oh, pochette de munitions de fusil à pompe. Ça je vous le dis. Monsieur, madame. Mais madame vous êtes totalement bloqué là non? D'accord. D'accord. Bah écoute, moi, elle se laisse faire, les gars. Je saisis clairement l'opportunité. Hein. Ah, il y avait quelque chose ici. Très bien. Ok, on va. Oh là, 1200! 1200, ça c'était une femme au couteau. Ah bah il est là son couteau. Yes, pochette, la première pochette de munitions de fusil à pompe. On va pouvoir se régaler. Ok, bon bah on a un couteau mais les gars, je crois qu'en plus normalement, d'habitude on peut le prendre le couteau. Mais j'ai déjà une hache. Non, j'ai pas du tout de hache. Je vous ai totalement menti. Ok, on a quelque chose ici. On peut pas ouvrir. Pas pour le moment. C'est par ici, hein. Son art est quelque part par ici. Ok. Mais alors, où? Hôtel? Vous croyez? Ah ouais, mais totalement. Ah ouais, mais c'est totalement dans l'hôtel. Ok. On va essayer de se rapprocher. Le chemin du retour va être... je pense, bien violent. D'accord, dans le bus, il y aura peut-être une mère Teresa, qui sait. Yes. Toujours aller au bout des choses. Toujours aller au bout, et attendez. On sait jamais derrière l'arbre. Ah bah, vous savez qu'ils sont malins, les mecs. Ok, donc, sa forme d'art, sa deuxième forme d'art, son deuxième tableau, qu'on va devoir bousiller, se trouve dans cet hôtel. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Si j'appuie là, ça va réveiller tout le monde, ça va être le bordel. Je vous l'annonce, donc on va clairement pas le faire. On est parti. Ok, et c'est à l'étage. Yo! Oh là là, je dois avoir tellement de soins. C'est terrible. Deux distributeurs, c'est terrible aussi. On va prendre le fusil à pompe, on sait jamais. Je pense que clairement, il n'y a rien tant qu'on n'a pas fait le tableau. Qu'est-ce qu'on a? Un fusible, d'accord. Fusible dans un distributeur, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a là? Un gel, ça par contre ça me plaît. 300 de gel. On a encore pas mal de choses là aussi. Oh là 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 là, on se régale. On se régale. Encore un soin. Oh là là. Et les gars, ça c'est pour le retour. C'est pour le retour vu qu'on va prendre ce qu'on mérite. Hop, pas de mère Teresa, c'est bien dommage. On est parti. Allons-y les amis. Il est temps de vivre une aventure dans cet hôtel. Ok. On peut pas ouvrir cette pièce. On peut pas ouvrir cette pièce non plus. On peut pas ouvrir cette pièce non plus. C'est parti. C'est parti. Des balances. Finissons-en. D'accord, cette fois il a compris la leçon. Il s'est carrément aspiré. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? D'accord, ça c'est une sorte de boss. Ok.
Je sais pas où elle est, hein. Je sais pas où elle est. Ça, c'est la femme qui vit des histoires incroyables. La clé est là. D'accord, on va devoir la tuer ou pas? J'en ai strictement aucune fiche idée. Ça devrait me rapprocher un peu de cette œuvre. Merde. Je peux peut-être l'éviter. Est-ce que je peux pas la tuer? Ah! Adieu! Aïe 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 aïe! C'est bon! Je suis en cinématique! Ah! Tu es totalement bugué! Tu es totalement manipulé! Avec un peu de chance, ces trucs me laisseront tranquille. Ok. Ok, on est bon. On est bon, les gars. J'ai été très brièvement touché. Ça me fait plaisir. Par contre, on peut plus retourner en arrière, d'accord? Donc je sais pas combien de gel ça donnait, mais sachez qu'on est passé à côté. De toute façon, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Je ne pense pas. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Toujours les mêmes fils. Alors, trouver le chemin. On a été sur la droite tout à l'heure. Je pense que cette fois-ci, c'est sur la gauche. Ok. Clairement, c'est sur la gauche, hein. Wow. Doucement, les gars. Allez, aucun souci. On a fait ça à une vitesse incroyable. Allez, ça dégage. Ça dégage, on va pouvoir enfin entrer dans le théâtre. Ça, c'est fait. Entrer dans le théâtre. Et ben, on va pouvoir y rentrer, les amis. On va pouvoir y rentrer. Nous y voici. Les deux sont détruites. Ça devrait avoir marché. Voyons si je peux entrer dans le théâtre maintenant. Je pense qu'on va vivre une incroyable aventure dans ce théâtre. Est-ce que je garde le soin dans l'hôtel? Je suis même pas sûr de revenir dans cette zone en vrai. Donc vous savez quoi? Parce que sinon vous allez m'engueuler. Vous m'engueulez toujours de toute façon. Donc on va le prendre et on va faire en sorte que les soins donnent plus de vie la prochaine fois. Yo. Bon. Bonne chose de faite les amis. Donc direction maintenant. Direction le théâtre. Direction le théâtre. Le théâtre où tout est possible. Le théâtre de tous les dangers. On va faire gaffe quand même. J'essaye de voir s'il n'y a pas des petites statuettes en hauteur ou autre. Ça peut toujours être intéressant. Je suis sûr que, malin comme ils sont, ils ont dû mettre des petites statuettes, genre, tu vois, sur un coin là, comme là. Et faut tirer dessus pour le faire tomber. Ils sont forts, ils sont très très forts. Ils sont rusés. Donc il faut se méfier, tiens, hop, on a une hache, je prends volontiers. Ça inflige un max de dégâts. Ok, on va repasser par ici, hein. On va passer par le chemin le plus sûr. Même si on a fait un massacre, l'épisode... C'est ce début d'épisode ou l'épisode précédent? Non, c'était l'épisode précédent où on en a tué 10. Et on a récupéré une mère Teresa. Ah, j'en oublie, j'en perds la mémoire, c'est terrible. Ok, c'est par ici, nous y sommes. Récupérer sa vie très rapidement. Est-ce que je vais... Ah, j'ai jamais examiné par ici, sérieux? Est-ce que par hasard on va pas... Oh, de la poudre. Ça peut être quelque chose de bien. Toujours pas de mère Teresa par ici. Il doit y avoir aussi une mère Teresa dans une voiture, je suppose. Ok, bon. On y est, les amis. Pas besoin de sauvegarder, pas besoin de café, on est full vie. On va voir ce qui se passe. On se rapproche de cet enfer. Et je pense que l'appareil photo va partir. Et les racines avec. C'est parti. Stefano, frérot, ou un boss. Ah, sûrement un boss, le grand théâtre. Sûrement un boss. Info sûre, les mecs. Info sûre, mais on aura des infos, je pense, bien intéressantes. Ok, j'essaye de tout fouiller, tiens. J'ai pas vu une mère Teresa là? Non. Non, 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 non.
rentrer dans des bâtiments comme ça, c'est jamais ouf. Ok. Ok, on peut rentrer, les gars. On peut rentrer, j'ai essayé de fouiller. C'est parti, j'ai décidé de prendre la porte de gauche. Parce que tel est mon destin. Stefano. Et dis-moi. Il est forcément quelque part par ici. T'as Obscura et. Oh, chapitre 8, première. Ça m'énerve. Vous osez détruire mon travail? Vous pensez que je vais me plier à votre volonté? Vous êtes comme eux, qui croyaient pouvoir me remodeler en quelque chose que je ne suis pas. Ce qu'ils ont créé ici, c'est merveilleux. Et ils le cachent, parce qu'ils n'ont aucune imagination. Parce que ce ne sont pas des artistes. Ils veulent me contrôler, me manipuler. Vous voulez m'arrêter. Mais vous avez tous échoué. Parce qu'avec la puissance du noyau, je peux créer mon art pour toujours. D'accord. Monsieur n'est pas trop fou. Ok, on se rapproche d'un miroir. Je sais pas du tout où il est. Il y a une planque quelque part, il y a quelque chose. Il est totalement cinglé celui-là. Ok. Bon bah direction l'étage. Allez! Fais-moi rêver mon frérot. Ah, on peut encore monter, c'est pas mal ça. Attends. Dis-moi pas que là-dedans. J'ai attendu ça toute ma vie. Ok. D'accord. On peut pas passer par ici. Et bougez pas. Aucune donnée possible. Bien ce que je pensais. Je sais pas ce qui va se passer, hein. Première, est-ce qu'on va le tuer? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, on a un heal. On a un tableau là, on a... Oh là là. J'ai attendu ça. Ah, d'accord, c'est juste un point de résonance. Donc il est passé par ici. J'ai attendu ça toute ma vie. Ok, 500 gels, souvenir résiduel. On peut y aller maintenant, y'a rien à fouiller là-dedans. Non, c'est un cendrier. Stefano Valentini. Bon bah mon frérot, vas-y, hein, dis-moi tout. Dis-moi tout, on va se la donner les gars. Qu'est-ce qu'il a fait à ces pauvres gens? Cette traque a été très amusante. Mais même les plus grands spectacles doivent avoir une fin. La fille, où est-elle? Je vous félicite d'être arrivé aussi loin. Si la persévérance était une forme d'art, vous en seriez un maître. Peut-être pas un Michel-Ange, mais au moins un Van Gogh. Ça suffit les tirades artistiques à la con! Où est-ce qu'elle est? Le noyau est sauf. Avec moi. Je l'ai emmené sur ses ordres. Mais quand j'ai réalisé l'étendue de ses immenses pouvoirs... Ah, comment aurais-je pu la laisser? Ce que je fais est bien plus important qu'un vulgaire profit personnel. Il n'aurait jamais pu comprendre ça. Il? Qui ça, il? Ça n'a plus d'importance. Il ne sera bientôt
plus là. Alors que mon travail, lui, perdurera. Picasso a eu sa période bleue. Pour ma part, je suis entré dans ma période écarlate. Merde. Non, arrêtez. Admirez ma dernière création. Non. Magistral. Un bouquet de chair et de sang. Espèce de malade. Comment pourrais-je jamais faire mieux? Je trouverai un moyen. Sa peur est une source intarissable d'inspiration. De l'innocence pour attiser le feu de ma créativité. Ok, on est reparti. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne ferez rien de sa puissance. C'était clairement pas mal, hein, cette petite cinématique. Vous ne comprenez rien. Elle serait inutile entre vos mains. Ok, ok, le stem se casse la gueule. Comme à la moitié d'Evil Within 1, la ville s'est effondrée. Ah ouais. Ah ouais. Quoi ce délire? D'accord. Ok, ça me rappelle tellement la fin d'Evil Within 1, quand on affrontait une sorte de cerveau géant et Rubik dedans. Ok. D'accord. Cette fois-ci, par contre, j'ai pas de lance-roquette. Ok, je suppose qu'il faut pas qu'il me voit. Merde. D'accord. Ok, faut l'éviter, hein. Clairement l'éviter. Waouh! Attends, il s'est réinitialisé l'enfoiré là. Ok. Ok, qu'est-ce qui se passe? On va passer par ici. Ok. Très bien. Faut que je reste dans l'ombre, hein. Faut que je reste totalement dans l'ombre. Ah. Oh putain, on a eu tellement chaud, les gars. Ça, ça pardonne zéro, hein. Ok. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Vas-y, dis-moi tout, mon frérot. Envoie-moi au chapitre 9 avec de l'amour. Ok, on est à la sortie. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Bien aimé cette petite phase. Moins stressante que quand c'est l'esprit. Bon, où t'es passé, qui me suit? Vous croyez qu'on va le tuer là? Au chapitre 9?
et enfin à ce chapitre 8 et se rendre compte que bah, c'est pas lui le vrai méchant. Il est juste dingo. Ok, on a un miroir. Oh la vache. Gel rouge. Eh, des clous. Ok, d'huile, on n'en a pas vraiment besoin. On a des trucs là-bas aussi. Bah, je ramasse tous les gars, c'est le moment. Des fusibles, on en a 15, c'est terrible. Je pense que clairement... Ah. Ok, on va avoir un boss. On va avoir un boss, d'accord, très bien. Ça, c'est juste pour revenir sauvegarder. On va totalement avoir un boss, les amis. Donc, à mon avis, on va sauvegarder tout ça. Là, on a franchi une étape clé du jeu. Sûrement. Attendez. Vous savez quoi? Il y a quelque chose qui me... J'ai plus envie de faire les mêmes erreurs. Ça me fait mal. Ça me fait mal, tout ça. Hop, des carreaux explosifs, ça c'est fait. Voilà. J'ai plus envie d'être comme un connard, là. On est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut se faire des petits plaisirs, c'est normal. Une petite balle. Cartouche de flingue. Cartouche de pompe, pardon. Allez, hop. On est bon. On peut même... Allez, hey, les gars. Hey, vous savez quoi? Ça mange pas de pain, on va améliorer notre arme. Parce que là, on va faire face à un boss, à mon avis. Qui risque fort d'être énervant. Et boum, c'est fait. C'est fait. On est pas mal. On va se customiser le cerveau, peut-être. Ah, on a peut-être pas assez de gel. Attendez. 7000 gels. On peut, les amis, bien sûr qu'on peut. Récupérer de l'endurance me paraît être une bonne option, quand même. Hein. Bienvenue, inspecteur. Merci. Tiens, on va ouvrir notre clé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert de caisse. Qu'est-ce que je peux prendre? Celui-là? Non, celui-là, peut-être. Non, celui-là. J'ai bien envie d'ouvrir ça. Oh, 6 balles de snipe. Maqué, tu m'as régalé. Ok. On est parti, on va se customiser un petit peu le cerveau, les gars. Parce que là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être l'agilité, hein. Vitesse de récupération de l'endurance. Bah voilà, on l'a, les mecs. On l'a. Allez. Ça, clairement, on prend. Et 12 000. Je récupère 30% d'endurance plus rapidement. Ça, c'est plutôt cool. On est très, très bon. Et là, le boss va nous donner peut-être 5 à 10 000 gels. Si c'est Stefano. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. On va sauvegarder, quand même. Et puis, on est parti, les mecs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On s'en sort très, très bien. Vous savez quoi? J'ai même envie de m'équiper du... Comment on peut appeler ça? Du sniper tout de suite. Chapitre 8, première. Allez, j'ai même pas sauvegardé en plus depuis. On est parti, on va prendre le snipe. Voilà, 5 balles là-dedans. Oh merde, il y avait le chat! Ah bah attendez, attendez. Ça coûte pas plus cher d'aller voir un chat. Petit moment de fébrilité. Bah il a miaulé, les gars. C'est-à-dire qu'il a quelque chose à nous dire. Oubliez pas, quand le chat miaule, c'est qu'il a quelque chose à nous montrer. Et du gel à nous donner, évidemment. Pas du tout, pas du tout, il m'a chié dessus. Non, il a pas de gel en fait. En fait, quand le chat miaule, c'est qu'il miaule tout le temps parce que c'est un chat. Peut-être qu'il a pas bu depuis 30 ans le bordel. Allez, on est parti. Oh, la musique, elle rigole zéro. Ils reprennent ça de main de maître. Vas-y, fais-moi rêver. Yo. Je m'attendais à un boss. Je suis fort surpris. Venez, je vous attends. Ma prochaine œuvre sera incroyable. L'absorption totale de sa puissance. La soumission de sa volonté. Ce sera de l'art dans tous les sens du terme. Mais peut-on avoir de l'art sans public? J'ai besoin de vous pour que mon œuvre soit complète. D'accord, non, c'est un boss. C'est pas comme ça que ça va finir. Il y a quelqu'un là-dedans. Oh, c'est tout simple. Non, c'est juste un boss, les gars. Nous revoici dans cet hôtel. J'ai jamais utilisé de gros coups de soin. En ai-je vraiment besoin? Je ne pense pas. D'accord, ok. Bah, si c'est pas comme ça que ça va se finir, c'est comment? Je pense qu'on va affronter son œuvre. Alors là, qui ça peut être? Tête Obscura. Toujours. Le retour de Obscura, mais version customisée. Elle a 2 appareils photo cette fois-ci. Elle a 8 mégapixels. Allez, montrez-moi de quoi vous êtes capable. J'arrive! Ok, c'est parti. Plus de course-poursuite. Plus de petits jeux.
commencez sérieusement à m'ennuyer. Nous voici. Votre mort sera de l'art. C'est le moment d'y apposer ma signature. Alors attendez. Faut étudier. Faut l'étudier. Ok. Il me voit, hein. Ça sert à rien que je me cache. Une balle de snipe, c'est cadeau, c'est moi qui arrive. Hop, alors, on foire totalement. On va jouer un petit peu snipe. Souffrir. Bon sang. Alors, on a mal ? C'est à m'exaspérer. On a des petits trucs là. Hein. Oh, on a des petits trucs un peu mucho bueno. Hein. Vas-y, fais-moi regretter, gros. Fais-moi regretter, Stefano Del Pococcini. Mais d'un père assassiné. Ça, ça fait mal, ça, hein. Des balles de snipe comme ça, hein. Oh. J'en ai assez. Préparez-vous à mourir. Il est énervé. Quand je l'aurai terminé, il ne restera rien de vous. Waouh. Ça m'a fait peur. Oh, bien joué à lui. Il m'a épaté. Attends. Il m'a totalement épaté. Bon, on va récupérer le snipe encore. On s'amuse avec le snipe. Ah, je vais au sien. Wow, calme-toi, gros. Allez, au diable. Vous allez me le payer. Waouh, désolé, j'ai juste voulu voir ce que c'était. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Bah les gars, on varie le plaisir. Voilà, on est pas mal. Hein. On s'en sort très très bien là. Hein. Là il est... Non. Aïe. 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 Eh oh, ça va, oh. Ok. Pas très gentil, hein. Il ne restera rien de vous. Ok, on va l'attendre. Ah, oh, ça va. Oh. Je vais m'occuper de votre cas. On va se soigner. Allez, ça dégage. J'ai pas le temps pour ces conneries. Troisième transformation, je suppose. Non, sérieux? J'y crois moyen, ça. D'accord. Ça va, on n'a pas trop galéré. Juste ce sniper, fusil à pompe. On est bien, on est gras. J'avais encore tant à créer. Vous avez détruit mon testament au monde. Regardez-moi. Vous avez fait de moi un chef-d'œuvre. Il doit perdurer. Si seulement j'avais mon appareil. Où est-il? C'est papa. Non, il est mort. Mon
Chérie, je sais que c'est ce qu'ils t'ont dit, mais c'est faux. Lily, s'il te plaît, Sors de là, Lily. Tu n'as pas à te cacher. Viens voir maman, Lily. Je te protégerai. Mira. Va-t'en. Tu ne l'auras pas, tu m'entends ? Lily ! Ok, c'était quasi sûr. Je vous demandais justement tout à l'heure où était passée sa femme. Eh bien, elle est dans le STEM. Et c'est donc elle, la grande méchante. Mais pourquoi Stefano disait « il » ? Peut-être qu'elle n'est pas toute seule. Mira. Je serai là pour vous, et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur, pour vous. Kidman... Elle était au courant pour Mira. Mais je me tairai, si vous me laissez entrer. Merde. D'accord. C'est bien étrange tout cela. Chapitre 9. Un autre mal. Ouais. Donc en gros, on est à la moitié du jeu. Bienvenue. D'accord. Donc lui, c'est terminé pour un lui. Un grand X rouge. Ça, c'est de l'art. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a ? Non, il y a des cierges. Ça va devenir occulte, hein, les gars. D'accord. Vidéo projecteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'en ai fiche trop mon miroir. J'ai peut-être oublié de sauvegarder. Oh non, j'ai oublié de sauvegarder. Où est-ce que je suis ? Attends. Ce symbole me dit quelque chose. J'ai dû le voir dans le vrai monde. La secte, c'est Mu, non ? Ok, de la poudre. Oh, j'ai oublié de save, j'ai totalement zappé. On n'est pas bien, hein ? On est où, là, d'ailleurs ? Ok, données de carte totalement indisponibles. Y'a rien d'autre derrière, sait-on jamais. Si, bah voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Du harpon, très bien. Et là, on n'a plus rien, à part de la viande. D'accord. D'accord. Il se passe beaucoup de choses d'un coup, les gars. Vous l'aurez compris. Il me reste pas mal de balles de pistolet. On est dans des tombeaux, là. On doit être sous l'église, ou quelque part. Yo. Bienvenue, quêteur. Vous venez chercher des réponses. Je suis là pour vous aider. C'est peut-être le heal de Stefano ? Qui est là ? D'accord. Là, on est clairement plus dans l'ambiance de... du premier opus. Oh, merde. On dirait qu'il a été brûlé vif. D'accord. Bienvenue, quêteur.
Je vois pas du tout qui ça peut être, hein, vraiment. Des instruments de torture. Ces trucs datent du Moyen-Âge. Là, on est vraiment dans l'ambiance du premier opus. Là, on a quelque chose aussi. Mais alors, il y avait quoi derrière cette porte de feu? Non, mais c'est terrible. Il y a trop de chemin aussi. Les gars, faites un petit effort, voyons. Tiens, on va voir l'endurance. Ah ouais, elle se récupère quand même bien plus vite. Non. Il y a trop de trucs, je comprends pas. Je sais pas par où passer, il y a beaucoup trop de trucs. La logique voudrait qu'un gars normal passe la porte. Mais moi, je vais contourner par ici. Non, mais c'est pas vrai. Ici, on peut ouvrir aussi. Non, attendez. Beaucoup trop grand tout ce qu'il y a ici. Hein. Beaucoup trop grand. Il y a aussi un chemin ici. Je sais pas ce que ça peut être. On va passer par là. Avant de changer d'étage. Du gel. D'ailleurs, le gel de Stefano, je me suis fait totalement carotter. N'ayons pas peur des termes, les amis. Ok. Tu vas te calmer, petit. Hein. Tu vas te calmer, petit. Hein. Attention, hein. Attention pour pas m'énerver, hein. Ok. On peut prendre ça. Et là, c'est totalement fermé. D'accord. Bon, écoutez, avant de changer d'étage, donc c'est pas mal, ça. Hein. J'ai récupéré, je sais même plus ce que j'ai récupéré, d'ailleurs. À part du gel. C'est pas mal. Ça serait bien que Stefano me régale en gel. Je me suis un petit peu fait carotter, je vous avoue. Avant de changer d'étage, je pense qu'il est important de passer cette porte et savoir ce qu'on a de l'autre côté. Je suis désolé, les gars, on fait des petits allers-retours. Ah là 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 là. Ah, mais il y avait la lanterne qui disait que c'était par ici. Ah, c'est terrible. C'est terrible. On va sortir très rapidement le fusil à pompe, hein, crois-moi. Je suis pas venu ici pour souffrir. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas du tout. Ok. Ça me plaît. Quelqu'un qui crie. Y a rien par ici. Hein. Y a strictement rien. Donc tant mieux, c'était juste un bonus. On dirait une réserve. Là où le boucher envoyait les cadavres. En tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle avait vraiment le style de Rubik, hein, Mira. Elle avait clairement le style de Rubik avec la capuche et ce gel blanc, enfin, un petit peu blanchâtre. Très étrange à dire comme ça, mais vous m'avez très bien compris. Ok, on va passer par ici. On n'en sait pas plus, hein, les gars. Là, c'est mystère total. J'ai oublié de sauvegarder, c'est terrible. Nous voici donc au chapitre 9. Ok. D'accord. Personne m'a entendu, je pensais qu'il m'avait entendu. Tellement de trucs qui traînent partout là, putain, les mecs. Regardez, c'est gigantesque! Ok. Peut-être ouvrir ça. Il me faut une manivelle pour l'actionner. Bien sûr, c'est évident. Et voilà. Ferme-la. Allez, ça dégage, on va prendre le gel vert, c'était logique, hein, c'était logique, mais je vous avoue que le deuxième, j'étais quand même clairement pas prêt. Ok, monsieur est brûlé, normalement les brûlés ne reviennent pas. La preuve, dans le premier opus, avec une allumette, vous vous souvenez, fallait brûler les cadavres, parce qu'ils pouvaient revenir à la vie, et ça, j'ai re-regardé mon let's play, et je vous avoue que c'était assez terrible. Ok, là on a rien. Frérot. Ah, il y a une mère Teresa.
Il y a une mère Teresa et vu qu'on va pouvoir venir la récupérer, je vais m'occuper de lui. Attendez. Ah! C'est donc une arnaque totale, hein. Vous l'aurez compris. On va se lever. Sébastien. On ne montre pas que nous sommes à terre. Hein? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quelqu'un s'amuse de nous? Non plus. C'est où alors? C'est par ici? C'est par ici. Attendez, calmez-vous, monsieur. C'est quand même chiant, hein. Oh, toujours pas ouvrir. Toujours pas ouvrir. Là, va y avoir du monde, hein. Je vous le dis, va y avoir du monde. Oh, non, mais tout ça, ça va s'ouvrir d'un coup. D'accord, très bien. Très bien, très bien, très bien. Allons récupérer. Allons récupérer cette manivelle. Et il y en a plein, d'ailleurs. Ça devrait faire l'affaire. Eh bien... Allez! Dans le 1, il y avait beaucoup plus de trucs timés, entre guillemets. Je sais pas si vous vous souvenez aussi. Genre, activer une manivelle. Là, ça a tout fait. Manivelle! Poignée de manivelle, pardon. Ok. Je sais à quoi ça sert. On va pas lire le descriptif. Mm-hmm. Carreau harponneur. Je sais très bien pourquoi ils m'ont donné ça. Faut appuyer sur 3 touches en même temps, c'est assez terrible. Nickel. Ça, c'est réellement un petit plaisir. Hein. C'est réellement un putain de plaisir. Ok. Prends. Voilà. On prend. Il m'a chicoté. Il m'a chicoté. Mais il m'a mis ce que je méritais. Ok, balle de pompe, on prend. Balle de rien du tout. Poudre à canon, on prend. On va tout fouiller, hein, j'ai rien à foutre. Hein. Je suis pas venu ici pour souffrir, les gars. C'est moi qui vous le dis. Hein. Lui va se relever, info sûre. Voilà. On va se casser parce qu'on ne voit strictement rien avec cette caméra. Ah! Oh la vache! Waouh! Putain! Calmons-nous! Calmons-nous, les amis! Ok. Allez, on prend. D'accord, en plus. Oh putain, pour une bouteille, quoi. Une putain de bouteille. Putain de bouteille de merde! Bon, j'ai la manivelle. Les gars, là, on y va aux pompes. Hein. C'est terminé pour eux. C'est terminé, ils ont plus aucune chance. Wow, 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 calmez-vous. Je t'ai foutu de ma gueule, toi. Ah! Ok, c'est très chiant. C'est très très chiant. J'avais pas le... J'avais pas la touche pour mettre un coup de couteau. Allez. Voilà. Plus beaucoup de balles. Une balle dans la tête, c'est pas mal. Ah. C'est pas mal non plus. Et ça, c'est terminé. Bon, c'est chiant, c'est chiant. J'ai plus une seule balle de pistolet, les gars. On va pas se rapter des balles de pistolet non plus. Oh là là, il y a eu zéro pause, hein. Il y a eu zéro pause depuis tout à l'heure. Est-ce qu'au final, c'est ce que je méritais depuis le début? Je pense.
On va tout fouiller là. On va tout fouiller. Ah putain. Elle était ici. Elle était ici, ma petite clé. Clé de casier, 11 sur 32, c'est pas mal. Tellement d'autres qui se cachent. On prend 36 poudres à canon, on va pouvoir se refaire en munitions, les mecs. Hein. Vous inquiétez pas. Hop, retournement rapide, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on va mettre ceci. Ok, là on n'a pas de jauge. Donc à mon avis on va avoir des phases où il va falloir faire très attention. J'ai toujours pas sauvegardé, c'est terrible. C'est terrible. Oh, c'est tellement long en plus, putain. Ah. Cartouche de fusil à pompe. Ok. Attends, c'est où? D'accord, c'est par là-bas. On va tout faire. Moi, ça me fait pas peur. On va clairement tout faire. Ok, il n'y a rien du tout. Peut-être dans les chiottes. Quelque chose m'entend. Pièce d'à côté, sûrement. Ha ! Attention, les gars. Attention les mecs. Ok, un passage info sûr, c'était obligé. Ok, on est bon. On est gras. Il y a un passage par ici. Avec le signe d'une bougie. On va quand même fouiller l'autre pièce. Attends, je connais les bails. Je connais clairement les bails. Allez, ça dégage. C'était info sûr, les gars. On me la fait plus. Ok. Attendez. Théo ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je vous en prie, je sais que vous êtes là. C'est bizarre. Non. C'était pas un rêve. Eh oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous en prie, je sais que vous êtes là. Je ferai tout ce que vous voulez. Je vous en prie. Laissez-moi sortir. Ah, ça fait mal, hein. 500 gel, 4 poudres, elle pensait vivre à Union. Et résultat, c'est la désillusion pour elle. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Elle est venue comme elle était et... prise qu'elle mérite. Ok. On peut continuer, les gars. Donc, tout ça, on a fouillé. Attends, hop, non, on n'a pas du tout fouillé. On était en train de fouiller. Ok. Là, je crois que de l'autre côté, il y avait aussi un petit truc qui nous mettait à la pièce adjacente. Oh, un petit rituel. On apprécie les balles. Des balles de pompe. Avec le couteau de Stefano, on dirait bien. 3 balles de pompe, c'est pas mal. Hé, non, les gars. Je vous ai dit que je connaissais ça. C'est chiant. Un petit peu de respect, s'il vous plaît. On prend la poudre. Bon, c'est pas mal. Finalement, c'est le petit fire quand même, hein, les flèches harpons. Hein. Pour être discret et tout, c'est vraiment le petit feu. Mais j'en ai plus, malheureusement. J'ai tout utilisé. Mais je pense les avoir utilisé à bon escient.
pour qu'on sorte de cette merde. Vous devez descendre pour trouver ce que vous cherchez. Ce n'est qu'en sombrant que vous pourrez vous élever à nouveau. Ok. Je peux pas faire de descente rapide. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Si! Elle fut rapide la descente! D'accord. Je veux retourner à Union, finalement j'aimais bien Union. Vous avez tout perdu. Vos échecs vous ont d'abord conduit à l'inaction, puis au désespoir. Et ensuite vient l'autodestruction. Je fais du Morse. Monsieur, mais qui êtes-vous, monsieur? Vous avez causé votre propre perte. C'est tellement stylé quand même. Tu n'as pas cru ta femme. Tu as refusé de voir. Tout est ta faute. Tu es un raté. Ta fille est perdue à cause de toi. Tu n'as pas pu la sauver. Vous avez la clé pour apaiser vos tourments. Je peux vous guider jusqu'au verrou. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux le gel de Stefano. Non? C'est toujours plus d'actualité, les gars? Je me suis végé quand même, il m'a utilisé pas mal de balles. Ok, bah direction la maison, on va revivre cet incendie. Bienvenue en 1865. Vous ne pouvez pas changer le passé. Seulement l'accepter. Embrassez-le. Ne l'évitez pas. C'est... Lily? Attends, j'ai juré là, gros. Ça va pas se passer comme ça. Wow! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai peut-être une idée. On va tout ramasser, hein. Je ramasse tout. Ah, ouais, j'avais pas prévu ça. Il est vrai. Ah. Non, j'ai essayé un truc, ok, ça s'est pas passé comme prévu. Oh putain. Lâchez-moi, merde. Hop, je prends ça si ça vous gêne pas, les gars. On va peut-être... Attendez. Étant donné que tout s'est pas passé comme prévu, n'est-ce pas? Hop, on va peut-être récupérer ça calmement. Vas-y, Né. Essaye des trucs. On verra ce que ça donne. Ok, ils sont totalement morts. D'accord, on a des nouveaux méchants. Ce signe encore de secte. Ok. D'accord, oh la vache, les mecs. Combien de gel vous donnez, les mecs? C'est la première fois que je vous affronte. Ok, 700, ça me plaît. Combien? Ok, 500, ça me plaît. Il y en a un qui était plus, qui était moins friand que l'autre. Et lui, il m'a jamais donné de gel. Hein. Lui, il m'a clairement chié dessus. N'ayons pas peur des termes, très bien. Bon, on a utilisé une grosse trousse pour la première fois dans le jeu. C'était mérité. Alors attendez. Déjà, on va tout recharger. Stefano m'a défié. Il est devenu une épine dans mon pied. Une épine que vous avez ôtée. Pour ça,
Vous serez récompensé. Stefano. Ce type le connaissait. Oh là là, on a appris tellement de choses. Donc il y a ma femme, mais c'est sûr que c'est pas elle le boss ultimate, c'est Mademoiselle Gel. Ah, ah, voilà, c'est bon. Donc je serai récompensé. Bah, il faut me récompenser. D'accord. Maintenant, il faut me récompenser. On est parti, on va dans le miroir, on va sauvegarder, puis on va s'arrêter là. On a fait 2 épisodes en 1, les gars. C'était l'épisode 17. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et... on est bon les gars. On est très très bon, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez, à la prochaine tout le monde. Portez-vous bien. Bisous, bisous.